Salut tout le monde! Je vais vous montrer aujourd'hui comment je prépare mon petit déjeuner. Alors, je vais vous montrer tout ça. Donc, j'utilise mon shaker dans lequel je mets du lait de riz. Je mets la moitié. Voilà. Et ensuite, je mets du lait d'avoine. Mais souvent, j'utilise du lait d'amande. Ouais, voilà. Des fois, je change. Et dans lequel, je mets des protéines en poudre. Alors. Donc là, j'utilise les protéines de chez MyProtein. Celle-ci, c'est hydrolysate whey protein, mais souvent, ben là, c'est pas celle-ci, mais j'utilise de l'isolate. Voilà, l'impact whey isolate. Voilà, je la mets dans mon shaker. Hop. On mélange bien. Je laisse ça de côté. Ensuite, mes flocons. Donc, j'ai ma petite casserole dans laquelle je vais mettre 30 g de flocons d'avoine de chez Quakers. Trouvez ça dans tous les supermarchés. Hein. J'ai essayé d'autres flocons d'avoine dans les magasins bio, tout ça, et enfin, je suis vite revenue à Quakers parce que j'aime pas la texture des autres, le goût, c'est pas pareil. Alors, 30 grammes, c'est bon. Voilà. Donc voilà, là j'ai allumé mon feu, il y a mes flocons d'avoine dedans. Je verse mon lait. Il faut attendre que ça épaississe, mais remuer quand même. Comptez entre 3 et 5 minutes pour que ce soit bien prêt. Voilà, au bout de 5 minutes, mon porridge est prêt. Donc je l'ai mis, on va dire, pendant 3 minutes à feu bien fort. Pour moi, c'est de l'induction. Donc je l'ai mis à puissance 8 pendant 3 minutes et après j'ai réduit à 7. Et petit à petit, voilà. Et voilà ce que ça donne. Allez, je mets tout ça dans mon bol. Et par-dessus, je mets des pépites de chocolat. Hop. Parce que j'aime ça, hein, je veux dire. Voilà. Hop. Et voilà. Un bon petit bol de porridge. Ça, avec mon bol de porridge, je mange une poignée, là il y a quoi? Des amandes, des noix de cajou et des noix. Voilà. Et ensuite, un kiwi. Une fois que j'ai mangé tout ça, je passe à la préparation
Donc déjà, je prends mes vitamines, avant d'oublier. Donc je prends, hop, j'en ai plus. De chez MyProtein aussi, un cachet Active Woman. Je prends, hop, deux gélules d'oméga 3. Et, non, ça c'est pour après. Et une gélule de zinc. Voilà. Ça, c'est au petit déjeuner, petite vitamine pour Rich. Alors maintenant, je vais vous montrer les compléments pour ma journée. Alors, je m'entraîne à midi. Donc en fait, à 11h30, je prends Pulse V4, une dosette. Donc moi je prépare déjà à l'avance, je mets dans mon shaker, comme ça c'est déjà prêt au travail. Voilà, ça une demi-heure avant. Ensuite, à 11h45, je prends deux gélules de thermopure. Plus ça. 5 g de BCA. Il manque une cuillère. Alors, 5 g de BCA. Voilà. Hop. Voilà. Ça, c'est 11h45. Dès que j'ai fini de m'entraîner, en sachant que mon entraînement dure 1h30 à peu près, je prends, on va faire n'importe quoi, voilà, 5 g de BCA. Voilà, alors les BCA je vous les montre quand même, voilà, là c'est celle de chez Citec Nutrition, ça là, et dans mes BCA je rajoute 5 g de glutamine. J'ai tout ce qu'il faut. Donc je prends pas de protéines après mon entraînement parce que ben, je finis à peu près 1h30, 2h de l'après-midi de m'entraîner. Du coup, ben, je vais manger. Donc à midi, je mange du poulet, des légumes et 30 g de féculents. Voilà. Après, j'explique tout sur mon blog, hein, sur blogomama.com. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc je vous dis... à bientôt!